Bonjour et bienvenue à Motus, c'est votre jeu de mots quotidien sur France 2. Aujourd'hui, nous accueillons avec grand plaisir Laetitia et Nadège, qui aujourd'hui seront opposés à Alexandre et Kevin. Allez, tout de suite, pour démarrer cette nouvelle partie, on est très heureux d'accueillir Thierry Beccaro. Eh bien, moi aussi, je suis ravi de vous accueillir, d'aller en quelque sorte là où vous êtes, chez vous ou ailleurs. Mais en tout cas, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prêts à jouer. Des mots de 7, 8, 9, 10, tout est prêt pour qu'on passe un bon moment. Nadège et Laetitia sont là, donc déjà c'est une bonne chose. Bonjour Nadège. Bonjour. D'où venez-vous ? Je viens de Chelles, en Seine-et-Marne. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nadège ? Actuellement, je recherche un emploi. Et alors, si on pouvait vous aider comme ça, dans quel domaine ? Dans le domaine de l'assurance. Dans le domaine de l'assurance. Et vous n'en manquez pas d'assurance. Et ça aussi, c'est très drôle. Oui, c'est pas... Bon, j'ai tenté le coup. C'était drôle. Bon, bonne chance en tout cas, Nadège. Laetitia, bonjour. Bonjour Thierry. Vous êtes déjà venue, vous ? Oui. Il y a combien de temps ? Il y a 2 ans. Ça s'était bien passé, Laetitia ? Oui, très très bien. Bon. Ouais, la preuve, c'est dit, ça s'est tellement bien passé qu'on va revenir. Ah, mais j'étais venue déjà il y a 14 ans et ça s'était un peu moins bien passé. D'accord. C'est dit, je vais venir en prendre un petit peu. Il y a toujours des cadeaux, il y a de quoi faire. Ah, mais si je pouvais venir tous les ans, voire toutes les semaines, moi je viendrais. Hein, ah, vous êtes adorable. Vous travaillez, Laetitia ? Oui, je suis chauffeur en messagerie. Chauffeur-livreur en messagerie. D'accord. Et vous conduisez Un fourgon. Non, c'est un fourgon de moins de 3,5 tonnes. Mais, oui, mais voilà. Vous savez, attendez, vous me dites ça à moi, mais même la plus petite des camionnettes, il ne faut pas me la confier. À moi, si vous pouvez y aller. Ben oui, donc je ferai appel à vos services. Il n'y a pas de souci. Mon patron sera content. Merci, Laetitia. Bonjour, Kevin. Bonjour, Thierry. Vous aussi, vous avez déjà joué avec nous ? Oui, il y a 2 ans aussi. Bon, et bon souvenir. Ça, c'était un peu moins bien passé. Vous avez décidé de persévérer. Exactement. Et c'est voilà. Bien. D'où venez-vous, Kevin ? Je viens de Tours. Et vous travaillez ? Oui, je suis journaliste radio. Ah, d'accord. Je réveille les Tourangeaux. Vous réveillez les Tourangeaux. Ouais. Alors ça, c'est un sacré boulot. Mmh. Je suis bien placé pour le savoir et puis pour saluer toutes celles et tous ceux qui font ce qu'on appelle les émissions du matin. Quoi. Ça vous fait lever à quelle heure, cette affaire ? À 4 heures. 4 heures, et vous avez combien de temps d'émission ? Les flash infos, c'est entre 6h et 9h. D'accord. Voilà. Après, on va se reposer un petit peu. Un petit peu d'interview et puis on se repose l'après-midi. Bon, voilà. Petite pensée pour toutes celles et tous ceux qui travaillent pour vous le matin. Merci d'être avec nous, Kevin. Alexandre. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, Alexandre ? Je suis ingénieur en système d'information. Ah, alors voilà. Alors ça, c'est un domaine que, que je ne connais pas du tout. Donc, Oui, c'est pour ça que je préfère réveiller les gens de temps en temps ou les accompagner comme ça le matin. Donc, ça consiste en quoi, rapidement ? S'occuper des systèmes informatiques qui permettent de gérer les entreprises un petit peu. Oui, oui. Alors, je mets un petit bémol. Ça fait le mec qui s'y connaît. Non, je ne mettrai rien du tout. Et je vous remercierai juste d'être avec nous ce matin, Alexandre. On va commencer avec les grilles que voici. Un numéro magique, parce que c'est toujours bien de prendre ce numéro pour continuer à jouer malgré les boules noires, le 17. Laetitia, Nadège, voici votre grille. Le numéro 46, c'est votre numéro magique. Le montant de la cagnotte aujourd'hui, Myriam. Eh bien, le montant de la cagnotte est de 3000 euros. Les fleuristes Florajet vous offrent un bouquet de fleurs originales. Livré directement chez vous, faites plaisir en toute occasion avec florajet.com. Alexandre, c'est vous qui allez commencer. Nous jouons avec des mots de 9 lettres. 9 lettres. Alors, chez vous, là, bonne partie. Voilà, parce que vous jouez très très bien. Voyons ce que va faire Alexandre. Alexandre, voici la lettre M. Mouvement. M-O-U-V-E-M-E-N-T. Menteuse. M-E-N-T-E-U-S-E-S. Miraculé. M-I-R-A-C-U-L-E-S. Montagne. M-O-N-T-A-G-N-E-S.
Moratoire. M-O-R-A-T-O-I-R-E. Monétaire. M-O-N-E-T-A-I-R-E. Ah, rien. Là, c'est le principe même du jeu. Là, il fallait vraiment replacer les lettres au bon endroit. Monétaire, bravo Kevin. Vous pouvez mélanger, s'il vous plaît. 35. Alexandre. Alexandre, encore. Voici la lettre S. Survolant. S-U-R-V-O-L-A-N-T. Cerf-volant. Oh. Serviette. S-E-R-V-I-E-2-T-E. Allons-y, Alexandre. Le 11. Kevin. Ah ça, les années passent, mais elles sont toujours là. Hein. Pas une ride, rien, nickel, les boules noires. C'est à Laetitia de jouer. Bonne chance, Laetitia. Voici la lettre T. Touaille, T-O-U-A-I, 2-L-E-S. Tropicale, T-R-O-P-I-C-A-L-E. Testament, T-E-S-T-A-M-E-N-T-S. Ces petites lettres en trop, c'est dommage. Alexandre, tant mieux pour vous, voici la lettre A. Talonnade, T-A-L-O-2-N-A-D-E. Trompeuse, T-R-O-M-P-E-U-S-E. Transfert, T-R-A-N-S-F-E-R-T. Excellent, bravo. Alors, il faudrait un bon numéro comme ça pour pouvoir marquer 100 points. Allez-y, Alexandre. Oh, ouais. Bon, bah là pour l'instant, vous stagnez à 150 points. Voilà pourquoi il faudrait marquer. Laetitia, ce serait pas mal. Voici la lettre A. Audition, A-U-D-I-T-I-O-N-S. Aoutienne, A-O-U-T-I-E-2-N-E. Ajournant, A-J-O-U-R-N-A-N-T. Accroché. A-2-C-R-O-C-H-E-S. Abdominal. A-B-D-O-M-I-N-A-L-E. Oh non. Mais c'est pas vrai. Bon, allez, Laetitia, il en est à sa 28e lettre bonus. Et il engrange, il les prend, il les met là, il les met dans la poche et tout. Allez-y, Alexandre. Andouille, A-N-D-O-U-I-D-Z-L-E. Non, c'est pas pour vous. Non, mais bon, c'est pas... C'est un peu de peine, mais enfin bon. Bravo, Alexandre, allez-y, vous mélangez, s'il vous plaît. 69. Bon, ben là, on ne peut pas faire grand-chose encore. Mmh. Allez-y, Kevin. 61. Ah, voilà, ça devient, tiens, ça devient intéressant pour la prochaine fois, à condition que vous trouviez ce mot, Kevin, qui commence par la lettre F. Fainéant. F-A-I-N-E-A-N-T-S. Pardon. Vous avez un peu dérapé sur le E et le A.
Bon, hein, je le fais bien le dérapage. Ça, je le referai plusieurs fois. C'est bien, je vais le garder celui-là. Non, Myriam, non, ça vous a pas emballé. Bon, de toute façon, vous n'aimez rien de ce que je fais. De toute façon, oh, mais si. j'ai beau me décarcasser. Et tout, ce n'est jamais bien. Voilà. Bon, Laetitia, on va marquer les 50 points. Mais j'y compte bien. Flageolet, F-L-A-G-E-O-L-E-T. Foutaise, F-O-U-T-A-I-S-E-S. Flagorner, F-L-A-G-O-R-N-E-R. Ça y est. Oui, on se faisait la réflexion, là, on a enchaîné andouille avec flageolet. Si jamais vous passez à table, tranquille. Hein? Un coup l'andouille. Enfin, vous faites l'andouille si vous voulez, mais bon, puis le lendemain, ou le flageolet. Mais. Nadège, vous mélangez, s'il vous plaît. Troisième boule noire de cette partie. Alexandre, à vous de jouer, s'il vous plaît. Biographe, B-I-O-G-R-A-P-H-E. Boulanger, B-O-U-L-A-N-G-E-R. Barbiche, B-A-R-B-I-C-H-E-S. Bûcheron, B-U-C-H-E-R-O-N-S. Barbichu, B-A-R-B-I-C-H-U-E. Je reconnais que ce n'est pas le mot qu'on emploie le plus souvent, mais même si vous pouviez être un petit peu concerné. La barbiche, c'est vraiment le bout, la pointe du menton, ouais. Hein, j'imagine. C'est ça. Mais qui devient fou, c'est, hein, c'est ça, ouais, la barbiche. Voilà, qui voilà, porte voilà, voilà. La barbichette. Là, vous avez aussi la moustache, hein, mais qui devient dingue. Là, bon, ce qu'on appelle les rouflaquettes. Hein. Et Myriam, vous nous dites la barbiche. La petite barbiche. C'est ça, d'accord. Merci beaucoup. Nous continuons avec un petit mélange de Kevin. 25. Allez-y, Alexandre. 51-57. 5. Bon, on peut appeler ça aussi plus communément le bouc. Vous ne l'avez pas dit, ça, aussi. Myriam. Mais c'est vrai que je ne suis pas une spécialiste en barbiche et barbichette. D'accord. Ni en moustache. Merci, Myriam. Kevin, c'est à vous de jouer avec la lettre N. Natation. N-A-T-A-T-I-O-N-S. Normatif. N-O-R-M-A-T-I-F-S. Numéraire, N-U-M-E-R-A-I-R-E. Nécropole, N-E-C-R-O-P-O-L-E. Nectarine, N-E-C-T-A-R-I-N-E. Bonjour. Allez. Voilà pourquoi c'est toujours bien de proposer un mot. Alors là, ça ne pouvait pas mieux tomber. Bravo, Kevin, vous mélangez. Alors, le 57, le 51 rapporte 100 points. Le 3. Et le 3. Yes. Bon, ça se complique sérieusement pour Laetitia et Nadège. Nadège qui n'a mélangé qu'une seule fois. Vous avez la preuve devant vous. Une pauvre petite boule noire. Quoique Alexandre et Kevin ont été servis. Oui, bon, nous allons changer les grilles et nous jouons juste après avec vous, Alexandre.
Bon, bah, de toute façon, émission très sympa, très, très détendue. Oui. Laetitia garde le sourire, bon, ça c'est oui, super. C'est la neige. Il y a combien au score? Il y a combien au score? Oh là, bah oui, mais, voilà. Alors, voilà, vous voulez pas me déprimer, c'est ah, ça? Oui, mais là, si vous cherchez les embrouilles, là, moi, je veux que je fasse. Il y a 400 à 50. Mais c'est rien. Il y a encore 10 mots derrière, ça va le faire. Bon, allez Myriam. Eh bien, si je peux me permettre, non, puisque c'est l'heure du dernier mot. Voilà, le dernier mot, ben, ça sera pour Alexandre, c'est le mot qui rapporte 100 points. Printemps, P-R-I-N-T-E-M-P-S. Peuplade, P-E-U-P-L-A-D-E-S. Paupiette, P-A-U-P-I-E-D-T-E. Bien. Bon, au moins, on vous aura donné quelques idées. Si vous ne savez pas quoi cuisiner, hein, vous aurez le choix. Kevin vous propose des paupiettes, vous avez l'andouille, vous avez le flageolet, il n'y en avait qu'un. Donc, bonne chance. Et on va applaudir nos quatre candidats. C'était super. Bravo. Et la super partie, ce sera pour vous dans un instant, Kevin, Alexandre. Les cadeaux, c'est pour Laetitia et Nadège. AvantQuest, via l'application Futrins Photobooks, vous offre l'équivalent d'un an de livres photo à imprimer et recevoir directement chez vous depuis votre smartphone. Et SodaStream vous offre aussi une machine au design épuré pour créer simplement, mais avec style, vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Laetitia, Nadège, c'était un plaisir de jouer avec vous. Également. Je suis malheureusement obligé de vous quitter rapidement parce que les portes de la super partie viennent de s'ouvrir. Il y a 3000 euros à gagner et il faut que j'y aille tout de suite. Donc je vous remercie et à bientôt. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur motus@francetv.fr. Pour nos prochaines sélections, vous pouvez nous retrouver le mercredi 20 septembre à Compiègne, le 25 à Paris, mais aussi le jeudi 12 octobre à La Rochelle, le 13 à Angers et le 14 à Nantes. Alors n'hésitez pas et composez à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou rendez-vous sur www.france.tv rubrique Motus. Alexandre et Kevin vont tenter de gagner 3000 euros en trouvant 10 mots de 9 lettres et en sachant de toute façon qu'ils reviendront. Voilà, ça c'est plutôt bien pour le moral. On y va, messieurs ? On y va. Bonne Allez. Chance. Macédoine, M-A-C-E-D-O-I-N-E. J'ai vu là. Nouvelle, N-O-U-V-E-2-L-E-S. Nouveauté, N-O-U-V-E-A-U-T-E. Gourmand, G-O-U-R-M-A-N-D-S. Globalité, G-L-O-B-A-L-I-T-E. Grignoter, G-R-I-G-N-O-T-E-R. Garçonner, G-A-R-C-O-2-N-E-T. Tapuscrit, T-A-P-U-S-C-R-I-T. Talonnade, T-A-L-O-2-N-A-D-E. Tombeuse, T-O-M-B-E-U-S-E-S. Tigresse, T-I-G-R-E-2-S-E-S. Tentative, T-E-N-T-A-T-I-V-E. Ruralisme, R-U-R-A-L-I-S-M-E. Rabougri, R-A-B-O-U-G-R-I-S. Reboutant, R-E-B-O-U-T-A-N-T.
Ribosome, R-I-B-O-S-O-M-E-S. Reboot. Reboot, R-E-B-O-U-T-E-U-X. Foutaise, F-O-U-T-A-I-S-E-S. Fragment, F-R-A-G-M-E-N-T-S. Futuriste, F-U-T-U-R-I-S-T-E. Facétieux, F-A-C-E-T-I-E-X. Fatidique, F-A-T-I-D-I-Q-E. Convulsé, C-O-N-V-U-L-S-E-R. Concierge, C-O-N-C-I-E-R-G-E. Ambulante, A-M-B-U-L-A-N-T-E. Anticipé, A-N-T-I-C-I-P-E-R. Ardéchois, A-R-D-E-C-H-O-I-S. Arlésien, A-R-L-E-S-I-E-N-S. Argentine, A-R-G-E-N-T-I-N-E. Scaphoïde, S-C-A-P-H-O-I-D-E. Soutenu, S-O-U-T-E-N-U-E-S. Supporter, S-U-P-P-O-R-T-E-R. Suspendu, S-U-S-P-E-N-D-U-E. Submergé, S-U-B-M-E-R-G-E-S. J'étais en train de chercher, j'étais assez loin de vous, comme, voilà, comme une supernova. Voilà, c'était supernova et malheureusement, c'était bien. Hein ah bah oui, c'est pour ça qu'on va les applaudir très fort. Bon, la bonne nouvelle, j'en parlais tout à l'heure, hein, il y a 5 minutes, c'est que vous allez revenir. Donc, on va garder notre cagnotte, les 3000 euros, on va rajouter 1000 euros. Donc, quand vous allez revenir, Alexandre, il y aura 4000 euros dans la cagnotte. Kevin, passez une excellente journée, entraînez-vous, hein, voilà, ça fait toujours un petit peu de bien, et puis voilà, revenez-nous en pleine forme. Et si vous avez noté les prochaines sélections, vous faites comme Kevin et Alexandre, vous passez les sélections, en général, c'est très sympa, vous êtes bien accueillis par Jean-Yves et par Olivier, et après, vous êtes sur le plateau de Motus. Et là, à vous l'aventure. Bonne journée et à la prochaine fois. Pour continuer de jouer à Motus, vous entraînez ou défiez vos amis, retrouvez nos applications sur votre mobile ou votre tablette.